Là, donc là, on a Big Daddy. Donc, je sais pas si vous le connaissez. Donc, parce qu'il n'est pas très, très connu, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Donc voilà, petit tatouage. Logiquement, il a une salopette, sauf que là, bah, celui qu'il avait, la mienne, bah, il était passé quand je l'ai acheté. Voilà. Petit Big Daddy. Ensuite, nous avons Hulk Hogan. Voilà. Donc lui, il est très, très, très connu. Voilà, Hulk Hogan. Ensuite, nous avons le meilleur pour moi, The Fiend, Bray Wyatt. Donc lui, c'est le dernier. C'est la dernière figurine que j'ai eue. Donc je sais pas si c'est le normal, mais son bras, il est bloqué. J'arrive pas à le bouger. Juste ça, j'arrive à bouger et son poignet. Sinon, j'arrive pas à le replier comme lui. Parce que lui, il peut pas. Lui, il peut faire ça. Alors que lui, là, regardez, je force. Vous pouvez voir sur mon dos. Je force. Ça veut pas toucher. Donc sinon voilà The Fiend, ça avec la tête. J'avais fait une vidéo d'où j'ai dit où je l'avais enfin eu. Donc là c'est l'arrière. Ah, donc les petits dessins ici, je trouve qu'il est pas trop bien fait. En tout cas c'est mieux que rien quoi. Là on a les petits tatouages et tout. Donc pour un petit bonus, les ceintures, bah, j'en ai logiquement j'en ai 4 sauf que les autres bah, je les ai perdues. Donc là on a celui de la WWE quand c'était vieux quoi. Donc c'était quand je l'ai si quand je l'avais eu, celle-là c'était avec un Rey Mysterio. Sauf que bah Rey Mysterio je l'ai complètement cassé. Donc voilà la ceinture. Et celle qui allait et là le titre champion universel de SmackDown que Roman Reigns détient actuellement. Si je l'ai eu avec le Fiend. Donc voilà. Parce que oui, le Fiend, il a déjà été champion universel. Donc voilà. Donc l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire et de vous abonner. Bye!